allumettes. Avec protection sur le côté. Du plastique cuivre, imitation cuivre. C'est des roues, je pense, des mini roues. C'est ça. Deux, trois. Trois paquets de mini roues. Chaque paquet comporte quatre. C'est pour coller sur l'adhésif, pour coller sur des petites planches ou des petites boîtes comme ici. Après on peut rouler, pas trop lourd hein. Il y a trois, c'est bien, je n'avais pas commandé quatre. Voilà, c'est les roues. Ça, c'est quoi, je me rappelle plus. On va découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Yuma. C'est quoi Yuma? Ah, bloc porte magnétique. C'est le deuxième que j'ai commandé. Magnétique. Ça évite d'avoir des portes qu'on ouvre la porte, qui tape comme ici maintenant, je viens de taper, qui tape contre le mur ou la porte quoi. Boum 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 à chaque fois. Donc du coup ça permet de bloquer la porte. Voilà. Donc lui, c'est lui. C'est une erreur de la commande que j'ai fait. Je savais pas que c'est du Lego, des blocs plastiques carrés. Je pensais que c'était du bois. Je pensais que c'était du bois en bois. Et du coup, bloc Lego à connecter soi-même. Bon. Erreur de commande. 5 supports pour les katanas. Lego. Erreur de commande. Ça. Ah oui. Beaucoup de mots se fait avoir par une entreprise qui s'appelle Shop avec plein de chiffres derrière, qui vend presque la même chose. J'ai pas ici, si, je crois que j'ai ici. Je vais vous montrer après ce qu'ils vend. L'original celui-là, donc c'est des figurines, des vraies figurines en 3D, donc tête de mort. Qui porte des jaquettes, des vestes. La peinture est complètement dégueulasse. La couleur du squelette blanche, il est passé sur la veste.
Mais au moins, il est en 3D. Plein de défauts. C'est un travail assez dégueulasse. Mais magnifique. Non. Débordement de la peinture blanche du squelette sur la veste. Et des résidus, des défauts énormes. Peinture qui dépasse largement sur la veste. Voilà. Et la version beaucoup moins chère, donc à 1, 2 euros, voire 3 euros. Et là, ici, que j'avais commandé. Parce que j'ai trouvé moins cher par rapport à ceux-là qui sont très chers, mais en promotion. Et ceux-là qui sont autour de 3 à 1 euro, quelque chose comme ça. J'en ai commandé la collection complète. Du coup, acrylique squelette figurine. Donc, c'est la collection complète. J'en ai commandé toutes les figurines différentes. Donc, il y a un qui est ouvert. J'ai pas ouvert les autres parce que c'est direct à la poubelle. Donc, j'ai perdu des sous-sous pour mettre à la poubelle direct. Là, je l'ai ouvert et je l'ai attaché. Et voici la version 3 euros, entre 3 et 1 euro et quelque chose, qui est ici, qui est magnifique hein, sur la photo. Mais qui est ainsi. C'est juste une feuille, une image découpée et enveloppée dans du résine plate. Voilà. 2 euros, 3 euros, que j'avais commandé la collection complète. Il y a 2, 4, 5, avec cela ça fait 6. Il y a une mini clochette ici, une corde dorée et du résine avec une image à l'intérieur que j'ai rien à faire avec. Alors que je voulais, c'était ça. Voilà. Autour de 2,90 € quelque chose comme ça. Normalement, le vrai prix ça tourne autour de 14 euros. On peut trouver entre 10 euros à 14 euros. Ça peut aller jusqu'à 20 euros. Avec des promotions, ça tourne. Le prix le moins cher c'est 7 euros quelque chose. Et là, il est en promotion chez les prix 7 euros. Et 3 euros, quelque chose comme ça. 2,90 la première figurine que j'ai payé. Celui-là, c'est la deuxième. Donc, c'est autour de 4 euros, je crois. Voilà. Et là, 3 euros. 1 euro à 3 euros. Voilà. Donc, c'est Bouben direct, celui-là. On va le mettre dans son emballage d'origine. Ici. Et la version 3D réelle. Il est très bien emballé. Une boîte en polystyrène. Plus le carton. Et la protection ici. Donc c'est très propre au niveau emballage. Très bien fait. On passe à la suivante. Ici, autocollant aussi, c'est des accroches. Accroches autocollants. Donc, c'est un lot comme ça, 2, 4, 6, 8, 10, 8 pièces. Donc, c'est autocollant, je pense, normalement. Bon, j'arrive pas à le. Ça fait mauvaise qualité, souple, pour ici.
Mais sinon là, on peut dévisser et revisser. Donc comme ça, coller contre le mur, carrelé, et on peut accrocher les trucs dedans. Voilà. C'est tout bête, tout con. C'est juste un tournevis avec un autocollant. 10 pièces. Bon. Autour de 2 euros, tout ça. Ici. 2 euros, 3 euros. On va pas faire assez, tout à fait. Celui-là, déjà pas vu. Et c'est le dernier. Hein. Donc, c'est le dernier. Celui-là, j'ai complètement oublié. C'est un astronaute. On va la fusée. C'est mignon. Avec une image. Celui-là, c'est fusée. Là, c'est un astronaute avec sa fusée. Donc, en fait, c'est un taille-crayon. Tout simplement. En forme d'astronaute. Qui est très mignon. C'est pour ça que j'ai commandé. Donc, manivelle pour tailler. Crayon. J'ai un crayon ici. Hein. Crayon. Contre pour vider après. Ah oui. Voilà. Deux petites fentes bien alignées et voilà. Comme ça. Donc on va essayer. Oh, c'est super. Oh, c'est génial. C'est très souple. Pas trop d'efforts. Et il rentre tout seul. Regardez. J'ai pas besoin de pousser. Il aspire le crayon et le taille. Bien positionné. Et là. Il fait rentrer tout seul le stylo. Waouh, c'est génial. Et là, on va le jeter. Ce qui est en trop. C'est pas mal du tout. Très souple, ça fonctionne très bien et ça absorbe le stylo pour j'ai mis à l'envers. Non, c'est vraiment bien. Oui, c'est génial. Vraiment, c'est bien celui-là. J'ai adoré là, celui-là. Ça taille bien. Non, c'est génial celui-là. Donc voilà, c'est tout. Hein. Lunettes avec protection sur le côté. Bloc-porte. Oh, voilà. On termine ici.